Alors l'idée est que les gens qui vont se promener arriveront sur l'esplanade Paul Ricard et ils vont suivre toute l'histoire du domaine à travers des bâtiments. Alors il y a la bergerie qui va être racontée, les clubs taurins, les arènes, on va arriver ici, il y a le mas, il y a les gens de Méjane, l'agriculture. Ils vont se promener comme ça, ils vont arriver jusqu'au musée. Mon père était un homme hors du commun. Ce musée est pour moi un geste d'hommage, un message d'espérance et de résilience. Et je vous invite à rentrer dans l'univers d'un homme simple et bon qui a su réussir sa vie. Car bien au-delà de la marque qui porte son nom, il a travaillé sans répit à construire un monde meilleur et à rendre les gens heureux. Alors là, on commence l'histoire du pastis. Et là, c'est une photo d'Arcélis, Bernard et Espané. Dans cette vitrine, où on a la fameuse bouteille de jusqu'en 1938, où le Ricard est à 40 degrés. Donc ça doit être une des dernières qui est restée. Super. Donc là, les gens passent. Super.